Appel à l'adoration. L'Éternel sied dans son saint temple. Que tous les anges et tous les hommes l'adorent, le craignent et le vénèrent. Amen. Dieu, que son Esprit Saint nous accompagne et nous aide à communier avec lui, au nom de son Fils Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Peuple de Bethel, réveille-toi et écoute-moi. Revêt ta parure, mets tes habits de fête et viens, viens, car aujourd'hui est un jour de fête. Un jour d'allégresse et de reconnaissance pour le peuple de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs, vous êtes ce peuple. Alors soyez les bienvenus et réjouissez-vous dans le Seigneur. Bienvenue et bon sabbat. Nous entonnerons les paroles du numéro 42. Amour sublime de
asseoir alors que nous allons lire ensemble ici un texte tiré du livre d'Esdras, alors qu'il s'adressait lui-même au Seigneur du des cieux. Nous faisons ici l'interprète de cet historien de la Bible, Esdras, qui est aussi un grand lévite. Voilà ce qu'il dit à Dieu. « Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car mes iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours, nos pères depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée et à la captivité, au pillage et à la honte qui couvrent aujourd'hui nos visages. » Et il va terminer sa prière en disant « Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste des réchappés. Nous voici devant toi, comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. » À ton regard de flamme, rien n'est ouvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché. Adoré, d'être élevé. C'est toi qui nous as invités ici ce matin dans ton église parce que tu invites chaque enfant de cette cité à venir t'adorer dans un lieu que tu as choisi. Nous croyons, Dieu des cieux, que tu es bon pour nous comme pour le territoire dans lequel nous t'adorons en ce matin. Nous voulions penser, Dieu des cieux, à ceux qui n'ont pas pu se réunir avec nous pour des raisons que toi-même tu sais. Nous voulons penser à nos malades, ceux de la cité, et inviter, Dieu des cieux, tes anges à les visiter,
à poser leurs mains sur eux, afin qu'ils aient la joie de voir une amélioration à leur douleur. Nous voulons, ô Dieu le ciel, aussi penser aux nombreux sujets de préoccupation qui sont les nôtres, mais sont également ceux de ceux qui administrent ce territoire. La question de l'eau, la question de l'insécurité, la question du bon vivre ensemble et la question ou les questions d'emploi qui nous font souffrir collectivement parce que nous sommes sur le territoire et nous sommes concernés par ces questions. Seigneur, tu as un pouvoir, celui de placer les hommes devant des situations où ils peuvent négocier, échanger, discuter et trouver des réponses à ces questions. Ô Éternel du Cieux, nous voulons, alors que nous t'adorons dans cette maison, te dire de placer ton esprit dans notre cœur, parce que nous allons commencer une semaine où nous allons échanger des sujets importants, semaine de prière, comment appeler ainsi. Nous voulons, ô Dieu des cieux, que ces enseignements qui seront dispensés, et celui en particulier qui aura à animer ces moments, que ton esprit puisse nous accompagner, nous, mais également celui qui aura à présider à ces espaces d'échange et de discussion. Dieu des cieux, bénis ton peuple ici à Capesterre, à Bethel. Bénis ton peuple parce que nous voulions être la lumière, une lumière allumée, une lumière qui éclaire, une lumière qui n'est pas cachée sous la table, mais une lumière qui éclaire la maison et la cité. Que toute gloire te soit rendue, parce que nous savons que tu feras en nous, par nous et pour le territoire de grandes choses aujourd'hui et tout le long de la semaine, et cela pour ta plus grande gloire. Amen. Donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, les diables passeront dans les rangs pour ramasser la dîme et les offrandes.
Nous avons appris avec Ivan à utiliser ce livre. Vous savez ce que c'est? C'est quoi comme livre? Une Bible. La Bible, effectivement. Nous avons appris avec Ivan un psaume que vous avez récité samedi dernier. C'était le psaume. C'était le psaume 23. Effectivement, pour apprendre à connaître Jésus, Ivan, avec maman et papa, utilise la Bible. Et tout comme lui, nous avons aussi utilisé la Bible. Vous savez ce que c'est que ça? Un portable. Et que fait-on avec cela? On appelle surtout. On appelle. On appelle qui? On appelle des gens. On appelle des gens. Qui c'est parmi vous qui a sa mamie qui habite loin? Ma mamie. Elle habite où? À Goubert. Elle habite à Goubert. Et quand tu ne peux pas la voir, comment tu fais? Avoir de ses nouvelles. On utilise le portable. On utilise le téléphone fixe. Et savez-vous que Jésus, pour entrer en contact avec son Père, il faisait quelque chose. Que faisait-il? Il envoyait des gens. Prier. Il priait. Pour entrer en communication avec son Père, il priait. Et pour prier, il n'avait pas de téléphone pour entrer en communication avec lui, pour avoir de ses nouvelles ou pour savoir quoi faire. Donc, il priait. Et pour prier, il se mettait quelque part. Il se met à genoux, oui, mais il faisait spécialement quelque chose parce que quand vous utilisez ça, s'il y a beaucoup de monde autour de vous, est-ce que vous entendez? Non. Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Il allait quelque part. Il s'isolait, effectivement. Il allait quelque part où il n'y avait pas de bruit et il pouvait entrer en communication avec son Père. Et nous lisons ceci dans Marc 1, le verset 35, qui nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva, il sortit dans un lieu désert où il pria. » Et tout comme Jésus,
pour passer du temps avec Dieu, nous devons le faire dans le silence. Et pour cela, nous devons nous mettre quelque part où il n'y a pas de bruit, dans notre chambre ou quelque part dans la nature, comme Jésus le faisait. Et nous allons donc prier en ce sens et demander à Jésus, n'est-ce pas, de nous aider à passer du temps avec lui. Alors, nous allons nous mettre debout. Et vous allez répéter avec moi. Tendre Père, merci de m'aider à passer du temps dans la prière comme Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer notre moment de louange avec deux couplets du 399. Eh bien, nous allons changer. Nous allons prendre Dieu, tu es grand. Nous voulons dire ce matin à Dieu combien il est grand, combien il est fidèle et bon. Chantons-le de tout cœur. Tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand. J'élève ma voix, Dieu, tu es grand, Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner, Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève. Que notre vie soit illuminée. Amen. Amen. Le Seigneur nous a laissé dans sa parole un texte dans Matthieu 6, verset 20, qui nous dit
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et Somme 16, verset 12 nous dit : Je dis à l'Éternel, tu es mon maître et tout mon bonheur est en toi. Oui, tout notre bonheur se trouve en Jésus. Job 22, verset 21, réconcilions-nous avec Dieu, soyons en paix avec lui, c'est ainsi que nous connaîtrons le bonheur. Il est là, le bonheur, véritable bonheur. Et bientôt, nous aurons la joie de vivre pendant l'éternité, durablement, le bonheur parfait, en contemplant les cicatrices subies à la croix par notre Sauveur. Et ensemble, nous jouirons avec lui d'un bonheur parfait et total. Alors maintenant, nous allons passer aux deux couplets du 399. Chantème pour la semaine de prière. Nous allons nous tenir debout et chanter ce chant avec beaucoup de vie. Tu es le roi, le roi des rois, tu établis ton trône en moi. Tu le mérites par la croix, je suis à toi. Devant ton trône, devant toi, je jette ma couronne au roi. En m'inclinant, je m'en remets à toi la
Est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez la bonne nouvelle. Amen. Frères et sœurs, chers amis, Maranatha. Amen. Nous aurons à passer une semaine ensemble. Je sais que nous avons l'habitude d'avoir un invité, mais cette semaine, l'invité sera votre serviteur. Il vient de Capesterre Bello, il habite à Fromager, il est ancien d'église. Je compte, bien entendu, sur la collaboration de tout un chacun, parce que, comme nous disons, semaine de prière, cela veut dire que nous allons prier. Et nous viendrons pour rencontrer notre Dieu, pas un homme. Aussi grand prédicateur soit-il. Donc nous venons pour rencontrer le Seigneur, pour partager ensemble, méditer sa parole et surtout prier. Nous allons prier. Je sais qu'il y a un certain nombre de freins qui va peut-être animer dans notre peut-être comportement. Je vais en citer une parole que nous connaissons, nul n'est prophète dans son pays. Mais nous devons transcender tout cela. Sachant bien que nous venons rencontrer le Seigneur. Il y a d'autres freins que le Seigneur mettra sur nos routes pendant cette semaine. S'il y a quelque chose que l'ennemi déteste, c'est voir le peuple de Dieu uni dans la prière. Ne donnons pas raison à l'ennemi. Venons chaque soir de rencontre. Et nous allons ensemble nous faire du bien. Vous savez que les messages nous sont destinés. Déjà, je vous donne le titre de la semaine que peut-être nous avons déjà entendu. Tous missionnaires, ça en dit long. Tous missionnaires. Et ce matin, c'est le pasteur Ted Nelson, le président de la fédération qui nous propose ce message. Je me suis inspiré de son message, la mission de Dieu. La mission de Dieu. Donc, durant toute cette semaine, nous aurons donc à partager, à prier ensemble, à prier les uns pour les autres. Nous allons peut-être faire l'expérience des premiers chrétiens. Alors, la Bible nous dit que les premiers chrétiens étaient combien de jours dans la semaine ensemble? Chaque jour, ils étaient ensemble. Ils partageaient la bonne parole, la nourriture, tout ce qu'il fallait, et ils étaient ensemble dans le même lieu, chaque jour.
Eh bien, nous essayons, avec la grâce de Dieu, d'être ici chaque soir pour recevoir de grandes bénédictions que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous. La mission de Dieu. Vous savez que peu importe notre âge, peu importe notre âge, notre nationalité ou notre sexe, Dieu nous appelle à participer à sa mission. Nul n'est laissé au bord du chemin. Dieu nous appelle tous à participer à sa mission. Être missionnaire, ce n'est pas un terme nouveau. Ce concept a vu le jour au ciel. Ce concept a vu le jour au ciel. Avant même que le péché ne fasse son entrée dans ce monde. Ben oui, avant l'entrée du péché. Ce concept donc vient de Dieu lui-même, de la Trinité. Le Dieu en trois personnes avait conçu un plan pour sauver l'humanité, entraînée par Satan dans la chute. Donc ce plan a été conçu avant l'entrée du péché dans notre monde. Et ce concept, hein, je le répète, vient de Dieu, être missionnaire. Dieu fut le grand missionnaire, le premier missionnaire donc. Il enverrait son Fils pour sauver les âmes perdues. Ainsi Christ, adoré dans tout le ciel, de tout le ciel, quitta la pureté, la paix, la joie du paradis pour accomplir ici-bas sa grande mission, chercher et sauver les âmes perdues. Amen. Vous et moi donc. Depuis le début, la mission divine est restée la même. La mission divine est restée la même. Au fil des siècles, Dieu a suscité des missionnaires pour accomplir ses desseins. Je vais en citer quelques-uns, comme Noé, Abraham, Moïse, Daniel, les disciples, les réformateurs, les pionniers et aujourd'hui, chacun d'entre nous. En 1874, l'Église adventiste envoya ses premiers missionnaires officiels. En 1874. Depuis, des milliers d'adventistes sont partis en tant que missionnaires. Aujourd'hui, grâce à leur sacrifice et à la puissance de la grâce, de nombreux croyants ont répondu à l'appel divin. Amen. Plus de 19 millions de personnes dans plus de 200 pays ont accepté la vérité telle qu'elle est en Jésus-Christ et se sont joints au mouvement adventiste. Amen. Ouh. Il y a du monde. Plus de 19 millions de personnes dans plus de 200 pays ont accepté la vérité telle qu'elle est en Jésus et se sont joints au mouvement adventiste. Amen. Ben oui, frères et sœurs. La mission se poursuit. Elle doit se poursuivre. Actuellement, dans un monde comptant plus de 7 milliards d'habitants, 7 milliards d'habitants. Il y a beaucoup donc à faire pour accomplir la mission. Beaucoup à faire. Dieu nous appelle à être tous missionnaires. Tous, sans exception.
Jésus revient bientôt. Et cependant, la moisson est grande. La moisson est grande. Cette prédication de l'Évangile à travers le monde touchait le monde entier, cela est possible. Parce que la Bible ne nous laisse pas entrevoir que cela ne se fera pas. La Bible dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors, le Seigneur Jésus reviendra. Donc cela est possible. Comment cela va se réaliser? Est-ce que par la sagesse humaine, par la puissance de l'homme, par son génie, par son engagement, par son savoir-faire? Non, la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. L'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui agira puissamment, qui agira dans nos cœurs, dans nos vies. L'Esprit de Dieu nous aidera à prendre conscience que le moment est venu pour nous de nous lever pour prêcher l'Évangile. L'Esprit de Dieu nous qualifiera, nous transformera pour accomplir cette grande œuvre. La puissance du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible comporte, j'ai l'habitude de le dire, trois dispensations. De la Genèse à l'Apocalypse, de la Genèse à Malachie, la Bible nous parle de la dispensation du Père. Le Père, l'Éternel, Yahweh, est mis en avant. On ne parle que du Père. L'Esprit est bien présent, Jésus également est présent. D'ailleurs, dans le Testament, lorsqu'on parle de Jésus, on parle de l'ange de l'Éternel. Mais c'est le Père qui est mis en avant, le Dieu éternel. Et à partir de Matthieu jusque dans Jean, nous parlons essentiellement, la Bible parle essentiellement de Jésus. Ben oui, sa conception, sa naissance, sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. On parle de Jésus. De Matthieu à Jean, les évangiles donc. Et à partir des actes des apôtres, c'est la dispensation du Fils. À partir des actes des apôtres jusque de l'Apocalypse, nous parlons la Bible parle nous du Saint-Esprit. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Le Père est bien là. Jésus est bien là. Il joue un rôle très important. Mais c'est l'Esprit qui prépare. C'est lui qui va achever l'œuvre de Dieu. Et c'est l'Esprit donc qui nous aidera à le faire. C'est pourquoi Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai l'Esprit, la puissance de Dieu. Et c'est lui qui va vous diriger, va vous convaincre et vous aidera à accomplir l'œuvre de Dieu. Donc cela veut dire que durant cette semaine, nous aurons une démarche importante à faire. Non pas chercher à faire, pour faire. C'est vrai, durant toute cette semaine, nous parlons de la mission. Mais nous n'allons pas nous inscrire dans une démarche de vouloir faire, pour plaire à Dieu. Mais durant cette semaine, nous chercherons la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. C'est lui qui nous aidera à nous voir tels que nous sommes et nous aider à accomplir l'œuvre de Dieu. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Éphésiens 6. Pendant cette semaine, nous allons prier le Seigneur dans ce sens.
Je vous inviterai dès maintenant même à prier. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse nous rendre disponibles durant cette semaine. Nous allons prier pour que le prédicateur, celui qui doit entretenir, gérer ces moments, soit dirigé par le Saint-Esprit. Nous allons faire ces deux prières. Nous allons prier pour le prédicateur et nous allons prier pour que Dieu puisse nous aider, tout un chacun, à être mobilisé tout au long de la semaine pour que Dieu puisse nous remplir de sa présence et nous faire du bien à tous. Nous allons faire des groupes. Ben oui, nous ferons des groupes de 4 personnes. Et dans chaque groupe, 2 personnes prieront pour ces 2 prières. Pour le prédicateur, pour que Dieu puisse le préserver, lui donner une bonne santé, et que son esprit, que le Saint-Esprit aussi puisse travailler en lui, et que l'Esprit aussi nous aide tout un chacun, chaque membre de l'Église, à être disponible, se libérer pour être venu chaque soir ici entendre sa parole. Nous allons faire ces 2 prières dans des groupes de 4 personnes. Dans chaque groupe, 2 personnes prieront. Je vous en remercie. Je vous remercie. Thank you.
Comment devenir missionnaire? Ce thème ne sera pas traité entièrement ce matin, vu l'heure qui était déjà très avancée. Nous allons poursuivre parce que nous allons progressivement entrer dans cette semaine de prière avec la puissance de Dieu. Demain soir, nous allons finaliser ce sujet, comment devenir missionnaire. Harry nous a lu un texte qui se trouve dans Marc chapitre 1er, verset 15. Je vous invite à relire avec moi. Un court verset. Il disait, Jésus, que le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Un court verset, mais on pourrait rester plusieurs heures là-dessus. Jésus dit que le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Juste un instant sur la proximité du royaume. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur ce texte. Parce que lorsqu'on lit le texte, on a l'impression que le retour de Jésus est proche. Donc, de manière chronologique, ça va arriver, c'est tout proche, ce retour. Mais lorsque on analyse le texte, on entend profondeur du texte et que d'autres nous éclairent, on arrive à comprendre que lorsque Jésus nous parle que le royaume est proche, il ne s'agit pas dans le temps, de manière chronologique, mais il s'agit de proximité. Proximité. Alors, dans Matthieu chapitre 12, verset 28, nous avons le livre ouvert. Matthieu chapitre 12, verset 28. Vous voyez comment les évangélistes entre eux se complètent et apportent parfois des précisions. Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu nous dit, mais si c'est par l'Esprit, c'est Jésus qui parle, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous voyez la notion de proximité. Le royaume est venu vers vous. Et dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 17, versets 20 et 21, Luc, chapitre 17, versets 20 et 21. Luc nous dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dit à point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus donc est ce royaume. Jésus incarne ce royaume. Il est venu apporter la délivrance. Il est venu apporter le pardon. Il est venu apporter la grâce. Donc, pour devenir missionnaire, nous devons tout d'abord et avant tout entrer dans ce royaume. Donc, demain, nous allons nous étaler un peu plus longuement là-dessus. Parce que nous ne pouvons pas appeler d'autres à y entrer alors que nous sommes à l'extérieur du royaume. Pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir être un missionnaire digne de ce nom, nous devons être dans le royaume. Vous allez me dire, mais de quel royaume parlons-nous? De quel royaume parlons-nous? Eh bien, la Bible répond, nous trouvons cela dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, verset 16.
Hébreux chapitre 4, verset 16. Nous lisons, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le trône de la grâce. Nous devons nous approcher de ce trône avec confiance, avec assurance, et y rester, parce que c'est au sein du royaume de grâce que Dieu nous transforme, nous métamorphose, nous qualifie pour la mission. Tant que j'ai un pied en dehors et un pied en dedans du royaume, je ne peux pas être missionnaire. On parlera de la mission, on parlera de Jésus, mais on ne sera pas dans le royaume de Dieu, donc peu efficace, voire pas du tout. Je vais m'arrêter là parce qu'on doit continuer après. Mais je vais vous raconter l'expérience d'un homme juste pour vous dire qu'il ne s'agit pas de parler, de désirer quelque chose. C'est un homme âgé d'un certain âge. Cet homme jouerait tous les jours. Je ne vais pas dire à quel jeu qu'il jouerait, mais certainement vous allez comprendre. Il jouerait sans cesse. Et il voulait devenir riche, et comme beaucoup d'ailleurs. Et il jouerait toujours les mêmes numéros. Pendant des années, des années, des années. Et il est âgé, il continue à jouer avec ces mêmes numéros. Parce qu'il veut devenir riche, il rêve cela, il rêve. Et puis finalement, un jour, qu'il pleuvait, il était fatigué. Il habitait à Goubert et il devait descendre à Basse-Terre pour valider son jeu. Et ce jour-là, il a dit, mais je suis fatigué, je ne vais pas descendre à Basse-Terre. Il pleut en plus, de sous quoi? Je vais rester à la maison. Mais comme il avait l'habitude tous les jours de se mettre dans son fauteuil et attendre les résultats du jeu, alors qu'il a sa feuille non validée d'entre les mains, il regarde. Ah, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti, c'est sorti. Une sacrée cagnotte. Une sacrée cagnotte. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Comment se fait-il ce jour-là? Il est resté chez lui. Vous savez, alors, il m'a fait cette déclaration, il m'a dit, parce que je le connaissais, il m'a dit, je suis resté un mois à pleurer jour et nuit. Je voyais ce que j'allais faire avec cette somme énorme. Mes enfants, j'aurais donné à mon église. J'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Il ne s'agit pas de croire à la richesse, de parler de la richesse, mais il faut être riche. Et je dois vous dire que, alors que cet homme racontait son expérience, près de 3 mois après, il s'est mis encore à pleurer devant moi, même de plus de 80 années. C'est pour nous dire que il ne s'agit pas de désirer, mais il faut être riche. Et cela est possible. Durant cette semaine, le Seigneur nous rendra riches de son esprit. Il fera de nous des missionnaires dignes de ce nom. Que le Dieu de paix et de grâce nous accompagne tout au long de cette semaine et que son évangile nous fasse du bien. C'est là mon vœu, ma prière pour vous et pour moi-même. Amen. Thank you.
Tu es le roi des rois. Tu établis ton trône en moi. Tu le mérites par la croix. Je suis à toi. Trône devant toi. Je jette ma couronne au roi. En m'inclinant, je m'en remets. Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole que tu nous as laissée. Nous te remercions pour cette semaine que tu mets devant nous, que tu nous proposes. Nous te demandons, Père, de nous accompagner tout au long de ces jours à venir. Que ta paix, que ta grâce nous fortifie, que rien ne fasse obstacle à ton œuvre, que rien ne nous empêche de venir chaque soir sans manquer un pour que nous puissions venir ici entendre ta parole et nous enrichir auprès de toi. Que ta grâce bienfaisante, surabondante, repose sur chacun de tes enfants. Nous t'avons prié dans le nom précieux de Jésus et que toute gloire te revienne au siècle du siècle. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que l'Éternel te garde toujours, qu'il te prépare pour son retour. Mets ta main dans sa main tout le long du dans la joie, dans l'amour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Bon sabbat à tous.